Ferme. Ferme la porte, ferme. Vas-y, ferme, ferme la porte, ferme. Oh putain. J'arrive de chez Ikea. Ils sont trop forts, ces Suédois. Ikea, vous connaissez? Oh là là. Ikea, c'est le seul magasin au monde, écoutez-moi bien, au monde, à sens unique. C'est-à-dire que chez eux, tu te croises pas comme chez Conforama, tu te doubles. Vrai ou faux? J'avance pas, j'avance pas. Bon, c'est-à-dire que si t'as oublié quelque chose au fond du magasin, t'as pas le choix, tu refais le tour. Ouais, et comme en général, tu trouves jamais rien, ben tu tournes, c'est comme ça. Attention, ils sont super forts, les Suédois. Hein. Bon, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Je vous dis franchement, c'est ma femme. Elle m'a dit comme ça un jour, Chérie, si on allait faire un tour chez Ikea. Ah, ah. Ah ouais, super, génial comme idée, ouais, 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 ouais. Donc vous savez ce que c'est donc, hein, c'était samedi après-midi, hein. C'était marée haute, tu vois. On flânait tranquillement avec ma femme dans les rayons. Quand j'ai fait la connerie. Tu l'as fait aussi, hein. Alors, un truc que j'avais fait chez Ikea le samedi après-midi, et j'ai lâché la main de ma femme. C'est horrible, j'ai rien pu faire. Elle a disparu là, sous mes yeux, avec ma carte bleue. Oh. Alors bon, je me suis jeté à l'eau, j'ai cherché tant que j'ai pu. J'ai été emporté par la foule qui nous traîne et nous entraîne jusqu'aux lampes halogènes. Il a eu peur. Et c'est là que je l'ai retrouvé. Hein. Malheureusement pour moi, elle avait repéré un petit meuble sympathique avec un nom à la con. Le Abbey Gluck Planck. Ah non, j'invente rien, là. Le Abbey Gluck Planck, donc, 658 pièces à monter soi-même, sans outils et sans effort. Pour ceux qui ont déjà monté un meuble en kit, hein. Bon, alors moi, je me démonte pas. Oui, bon. J'attrape un vendeur. Et dites-moi, mon jeune ami suédois, où puis-je trouver le Abbey Gluck Planck en résine de pain complet? Où? Et il me dit là. Je lui dis où là? Là? Oula! Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez Ikea, mais le Nordic Stock O. Allez là, attends. Il faut se les taper les 40 mètres pour chercher le meuble, hein. J'ai pas fait l'école du cirque, moi, je suis pas le fils à pain d'air. Hein, ouais. Bon, bref, j'étais pas tout seul, non. Parce que pendant l'ascension, j'ai croisé une cordée de Belges. Hola, l'ami! C'est ton cœur, loin, les banquettes, clic-clac! Tu m'as pris pour un guide! J'en sais rien, tu vas jusqu'au mob télé, tu prends à gauche, tu verras bien! Putain, je l'aurais fait gagner au moins 2 heures. Facile. Bref, j'arrive au sommet, oh, je plante mon drapeau, j'achète un souvenir, je prends mon carton et je redescends. Je file aux caisses. Isabelle Martin. Cécile Nguyen. Francesca Popello. Sont bonnes, ces Suédoises. On paye, là-dessus on file au restaurant d'Ikea, là-bas on achète des sandwichs au gnou. Oui, enfin plutôt des bêtes de chez eux, quoi.
pour faire passer l'histoire, on prend un jus de sapin pressé. Oui, c'est un peu raide, mais ça désaltère. Alors, on paye. Et ciao, Ikea. Et voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Chérie, chérie, va chercher la caisse à outils, va. Je vais monter le meuble. Supérieure gauche dans les trous A et B qui se trouvent au panneau soutenant le fond, situé juste en dessous de la glissière centrale, qui devra être démontée en premier afin de coller les côtés B et C qui soutiendront les roulettes X et Y. Ah oh, putain, mais quelle roulette? Il n'y a pas de roulette. Hein? Quoi X, truc, virgule, fun, crunch, yo-yo. Tu parles chez toi maintenant, toi? Laisse-moi, je vais le finir. Quoi, c'est pas ça? Attends, s'il te plaît, tu t'énerves pas, d'accord? Quoi, c'est pas ça? Fais voir ce plan, là. Quoi, c'est pas ça? Ce bordel, là. Quoi? Bien sûr que c'est ça! 850 balles. Ouais, 850 balles, cette merde. Y'a pas. Ils sont trop forts, tes Suédois.